Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. J'ai eu de la difficulté cette fois à amener notre assistante grosse patate avec nous parce que monsieur a décidé d'aller se coucher sur le fauteuil puis il ne voulait pas venir. Alors on a argumenté, on a négocié, devrais-je dire, puis j'ai gagné, même si c'est clair que ça fait pas tout à fait son affaire. Écoutez, on va le saluer, un beau lever. Bon, c'est... Ah, tout le monde. Okay. Écoutez, cette fois, on va faire quelque chose de vraiment spécial. Je vais faire un verre renversé, puis après, avant de lever notre flip cup, d'enlever notre gobelet, on va faire un coulage fluide tout autour. Mon idée de départ, c'est de faire quelque chose. De un, on ne mettra pas aucun produit si ce n'est que de l'eau mélangée avec notre acrylique. Et puis, on va essayer de reproduire. Bon, puisqu'il se recouche, il veut rentrer en dessous de découverte. On va essayer de reproduire des cellules, mais d'une façon vraiment différente. Je vais prendre un grillage que j'ai. On va faire, comme je vous dis, notre coulage. On va faire notre flip cup. Je vais faire le coulage fait tout autour. Puis après, je vais apposer mon grillage dessus. Alors, le grillage, en final, ce que ça devrait nous donner en principe, ben, vous savez comme moi que le coulage acrylique, c'est toujours imprévisible, mais en principe, cela devrait nous donner des cellules. Hein, des cellules, du moins, des formes plus ou moins rondes ou ovales. Et puis, à partir de là, mon idée, c'est de faire un arbre qui serait un abstrait d'un arbre, évidemment, qui serait dans un fond d'espace, quelque chose comme ça. On va voir si ça fonctionne de toute façon, encore une fois. C'est toujours imprévisible. On essaie ça, puis on vient pour le mot de la fin. On y va. Thank you.
je suis estomaqué devant les résultats parce que de un, ça nous donne des cellules vraiment intéressantes. OK. Après ma mort, on doit avouer que c'est pas tout à fait le rendu que j'en visionnais, c'est-à-dire un arbre dans l'espace infini. On sait pas tout à fait ça, mais je suis vraiment quand même agréablement surpris du résultat. Il y a des cellules à l'intérieur de ça qui sont vraiment particulières. Puis encore une fois, on n'a mis aucun produit dedans. Alors, c'est juste encore une fois la preuve que les produits ne sont pas vraiment nécessaires. C'est la façon, la technique d'y arriver. Et puis encore une fois, c'est de la simplicité pure et simple. Oui, par contre, contrairement à d'habitude, j'ai travaillé un petit peu plus pour arriver à ce que je voulais vraiment. Mais écoutez, là, il y a des endroits. J'ai mis du brun. Vous savez, comme je vous ai déjà dit, je fais mes couleurs moi-même. Mais là, si je peux la retrouver, j'ai pas mon petit tube de couleur. De toute façon, c'est pas plus grave que ça. En finale, c'était du gold ancien. Hein, du or à l'ancienne. C'est vraiment une couleur qui est superbe. Puis je vous dis qu'à certains endroits sur notre toile, la couleur or ressort vraiment beaucoup. Et puis mon idée au départ, c'était qu'elle puisse faire la ligne, si on veut, de la partie du tronc d'arbre. C'est pas tout à fait ça. Puis encore là, on peut voir un peu ce que je voulais faire, mais évidemment, dans le coulage acrylique, c'est très difficile d'arriver à un rendu très, très spécifique. Mais de toute façon, après d'abord, au départ, on le sait que c'est pour faire ça. Puis, je suis quand même vraiment, vraiment content du résultat. C'est vraiment bien. Écoutez, encore une fois, c'est très, très subjectif, mais je crois que vous allez être d'accord avec moi pour dire que cette façon de faire mérite d'être explorée plus profondément parce que j'aime bien le noir et le blanc mélangés ensemble pour l'effet de marbré que ça nous donne. Je vais retenter l'expérience. J'ai une idée de faire un flip-cup juste avec du noir et du blanc, mais de faire un petit coulage fluide tout autour, encore une fois, avec du noir et du blanc. Peut-être même un petit peu de gold à l'intérieur de notre flip-flop. Je crois que ça serait très, très bien. J'ai hâte de voir le résultat fini une fois sec, mais j'espère que vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est superbe, que c'est très, très bien. Aucun produit, on a des cellules qui sont très intéressantes. Rien à envier aux produits pour reproduire ça. Puis encore une fois, je crois que jusqu'à un certain point, l'erreur est plus difficile à arriver. C'est-à-dire que comme du silicone, c'est de l'huile de silicone qu'on prend, c'est toujours délicat parce que si jamais on fait une erreur, on en met un petit peu trop, notre rendu peut rester comme huileux. Mais là, à ce moment-là, c'est comme, on peut dire on oublie ça, il faut passer par-dessus, puis ça peut devenir compliqué. Alors de cette façon, on élimine les risques, je trouve. Écoutez, merci d'être là, j'espère que vous avez apprécié, j'espère surtout, encore une fois, que vous allez l'essayer. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Lewiski, je vous dis prenez soin et puis on se revoit prochainement.